Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Play sur Jak and Daxter Pregresor Legacy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va très bien. La dernière fois, donc c'était il y a une semaine, nous nous étions arrêtés après avoir un peu exploré la zone de la plage. La mâchoire du requin, leur cœur sur le bateau du pêcheur. Ouais, on ferait mieux de ne pas s'en approcher. Je ne crois pas que nous soyons de taille à nous y frotter. Merci Dexter. Dans le dernier épisode, nous avions un peu exploré la plage. Nous avons récupéré quelques mécamouches et quelques arbres précurseurs qui étaient et donc pilules d'énergie qui se trouvaient dans le village. Aujourd'hui, on va continuer un peu l'exploration. Et on va peut-être avancer un peu dans l'histoire, je pense aussi. Je vous rappelle que notre but n'est pas de faire le jeu à 100%, donc ce n'est pas grave si on oublie des choses. En tous les cas, au pire, on pourra de toute façon revenir. Ce n'est pas un problème. Donc voilà, je dois voir qu'il y a une pile d'énergie qui est juste là-bas, ça me donne envie. Et une mécamouche qui est juste là. Mais j'avoue que je sais pas trop comment y aller. Je vois aussi qu'il y a des vaches. De mémoire, il y a une quête à faire avec elle. Bon, déjà, première chose. Hop. Voilà. De l'écho bleu pour débloquer ce machin, récupérer du coup des orbes avec ça. Très bien. Je pense que pour aller là-bas, il faudra dans tous les cas, parce qu'on ne pourra pas y aller de là, à mon avis, il va falloir qu'on descende, dans tous les cas, on ne va pas avoir le choix. Donc, hop, on saute. Il y a quoi dans cette maison? Ah bah j'y viens. Ok, donc il n'y a rien. Donc, il faut aller là. Très bien. Aussi, je tiens à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo de la semaine, j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo. J'ai pas eu le temps du tout de tourner de vidéo, je vous dis, le travail revenait. Donc, bah voilà. Avant de te venir te parler, toi, je vais te les récupérer quelques heures pour que ce soir ici et voir ce que je peux faire en haut également. J'aimerais bien avancer. Ah, ok, je vois ce qu'il y a là-haut. Très bien, ok. En fait, là-haut, c'est le canyon de feu qu'on ne peut pour l'instant pas explorer parce qu'il faudrait le zoomer blindé qui résiste aux flammes. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas aller par là. Très bien. Ce n'est pas grave. On va revenir en arrière. Alors par contre, je sais toujours pas comment on va là. On va voir. Ah oui, ok, je viens de me rappeler d'un truc également qu'on va aller faire tout de suite après. On va découvrir une nouvelle zone aujourd'hui normalement. Waouh! Regarde un peu cette sculpture sur les rochers là-bas. C'était chaud. Mais j'ai réussi. Et par contre, j'ai pas réussi le deuxième. Bon, on va réessayer du coup. Il y a une sculpture. Et cette sculpture, elle peut donner des orbes précurseurs de mémoire. Elle peut en donner deux à chaque fois. On va faire ça. Mais on va d'abord essayer de monter. Ce serait pas mal. Ouh là là. Ouh, comment je te fous. Ok, et une mécamouche. 4. 4 sur 7. Ok, bonjour. Qui réveille l'oracle? Attendez. L'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité, j'attends le retour du véritable héros. Présentez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. D'accord, donc il faudra 120 piles d'énergie pour venir le voir et récupérer. Du coup, pas piles d'énergie, mais pas que ça, pour venir le voir. Très bien. Et je viens de me planter. Il y avait une mécamouche là-haut. Et je la veux. Voilà. Hop, petite mécamouche, on récupère les précurseurs. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres de ce coin-ci. Non. Bon, on va aller voir le gars en bas. Et après... Attendez, j'avais pas vu les mécamouches. On doit plus manquer trop de mécamouches. On les aura bientôt tous. Ils en manquent deux, je crois. Non, il nous en manque une. Ok, faudra que je cherche la toute dernière. La 7ème mécamouche. Bonjour, toi. Il faudrait assez Yako. Oh, c'est toi.
Ah, j'ai reposé juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Alors, leur enclos c'est ça. D'accord, très bien, bon, on va essayer. Je pense que qu'il faut les frapper. Hein. C'est con, hein. Violence animale. Ouais, c'est ça. Violence animale. Aïe aïe aïe. Bon, ok, très bien. Bon, bah, on va faire ça. Hein. Leur enclos est juste là. Hop. J'avais pas vu qu'il avait un autre là-bas. Parfait. Toi. Bon, il va être simple, je pense, lui. Ah non, j'ai... Ça fait... Voilà, faut, en fait, faut bien se mettre. Il va à l'opposé de où on va. Ok, 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 ok. Très bien. Hop, bonjour toi. Tout dernier. Mince, j'ai un peu de mal à courir avec la caméra, je vous avoue. Il y a des fois où j'ai un peu de mal à la contrôler. Bah, en vrai, ça va. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Je pense. Je vais refaire un petit check, mais je pense que j'ai. Moi, ouais, je dois avoir tout fait. Bon, bah, on va reparler au vieil. Mais Yako sont toujours en liberté. Tu peux pas essayer de me les ramener? Il en reste un. Ah oui, il en reste un, je l'avais pas vu celui-là. Je suis aveugle. Oh. Allez. Allez. Je l'avais pas du tout vu celui-là. Ce feignant de fermier nous doit une pile d'énergie. Allons lui parler. Ouais, ok. Ah, bien joué, petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à puce. Je vais te dormir tranquille. Prends cette pile d'énergie pour tes efforts. Notre 10e pile d'énergie, du coup. Parfait. Hop. 10. Très bien. Bon, je vais essayer de... On va faire un petit check du village. On va essayer de trouver la 7ème et dernière mécamouche. Si je la trouve pas, tant pis. Hein. Et après, on partira dans la jungle, je pense. Ou tout du moins, on commencera la jungle. Et là, j'aimerais bien trouver la dernière mécamouche que j'ai pas encore trouvée. Elle doit pas non plus être extrêmement loin. Là, il y a le maire. Je peux lui parler parce que j'ai pas encore suffisamment de... d'armes précurseur. Je l'entends. Je crois. Elles s'entendent en général, hein, les mécamouches. C'est pas en bas ? Ah ! Et voilà, petite pile d'énergie. Allez hop. Je l'avais dit, elles s'entendent. Je me disais bien. Bien joué! Tu as trouvé toutes les mécamouches de cette zone! Eh ouais. Donc il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille par là. On va aller explorer la suite. On va aller dans la jungle en fait. Rappelez-vous, la quête du maire, il disait que l'électricité ne fonctionnait plus, qu'il n'y avait plus d'énergie dans les. Dans l'espèce d'éolienne de la ville, du village plutôt. Et du coup, pour le moment, on n'a plus d'énergie du tout. Donc on va voir si on peut aller réactiver les mécanismes dans la jungle interdite. Qui est donc la prochaine zone qu'on va explorer. Je fais juste attention à ne pas rater d'armes. C'est qu'elle touche déjà, c'est celle-ci, voilà. Pour zoomer. J'arrive pas à voir. Bon, au pire, c'est pas grave, on va descendre. Je voudrais juste voir ce qu'il y a en bas. J'aurais bien évité de rater des choses. Visiblement, il y aura un zoomer plus tard ici, vu l'approche du truc. On n'est pas encore dans la zone interdite, donc on peut récupérer les gemmes.
Et on a toutes les gemmes, enfin toutes les orbes précurseurs du village des sables. Parfait. Et avant de partir, je crois que j'ai assez pour aller récupérer une orbe précurseur. Donc on va retourner dans le village des sables, récupérer ce qu'il faut. De mémoire, c'est 90 orbes précurseurs. Ah oui, bah attendez, je dis que je ferai pas le jeu à 100%, mais si je peux avancer quand même pas mal dans le jeu, ce serait pas mal, hein. Ça ferait un bon contraste par rapport à Zelda que j'ai pas. J'ai en vrai pas trop fait à 100% du coup. Hein. J'ai absolument pas trop joué. Là, ce serait bien de, un peu plus sur le jeu. Oh, mes amis! Vous n'avez pas trouvé Mamuse? Ah non, oui, ça s'amuse. Lui, il faut retrouver Samuse. C'est vrai. Lui, il faut retrouver Samuse. Qui donc sur les le lit du départ qu'on avait vu, je me rappelle plus du nom, c'est la vallée des brumes, mais j'ai plus le nom de l'endroit en tête. J'avais pas ce qu'il fallait. Je mets 92, j'ai dû avoir déjà fait l'échange avec lui. Et lui, est-ce que j'ai fait l'échange? Non, c'est bon. Ah, vous avez l'intention de faire un don bien? Il est conséquent, hein, j'espère. Wouhou! Oh oui! C'est un don conséquent, en effet! Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. Et voilà, la petite pile d'énergie, ça nous en fait 12, je crois. Parfait! Ça nous fait 12 piles d'énergie. Très bien, on va cette fois-ci aller en direction de la jungle interdite. J'ai fini de faire ce que j'avais pas à faire par ici. En tout cas pour le moment. J'ai pas l'intention de retourner dans la plage juste parce que dans tous les cas on ne peut pas continuer. Mémoire, il faut avoir remis l'électricité dans la jungle pour pouvoir continuer l'exploration dans la plage à côté du village des sables. Donc, on va aller dans la jungle interdite et puis on va voir. On va commencer hein, du moins l'exploration du village de la jungle interdite. Du coup c'est parti. Hop. On est dans la jungle interdite. Il y a déjà des ennemis. Mince. Ah, ok. Un serpent. Ça commence bien. Alors, on va aller par là. J'aimerais bien débloquer une petite pile d'énergie là avant la fin de la vidéo. Je me rappelle plus trop de cette zone, donc je ne saurais pas trop vous dire ce qu'il faut faire, où il faut aller. Donc, je vais un peu aller là où je vois des orbes précurseurs, les récupérer et tout. En général, de toute façon, on récupère assez ça facilement. Enfin, c'est facile. Ça m'a l'air d'être quand même pas mal habité d'ennemis, cette zone. La musique est sympa. Ça. Mince. Ah. Alors il y a là, attends, je vais juste regarder un peu le sol. Il n'y a pas un mécanisme avec ce truc là plus tard. Je ne sais plus. Bon, c'est pas très grave. On va aller par là. Alors attention, il y a une caisse explosive, je crois ici. L'écho noir, ok, donc c'est bien ce que je pensais. Il y a des trucs de l'écho noir, enfin, faire gaffe dans le futur. J'ai voulu faire le test pour me rappeler exactement. Oh putain, on va récupérer de l'écho vert du coup. Ça se régène un petit peu. Alors, j'ai entendu une mécamouche, donc il faut faire attention, il faut pas trop les manquer. De toute façon, elles reviennent forcément. Ok, alors faire gaffe là, pas tomber. La mécamouche. Parfait. Bon. Très bien, je pense que par ici, j'ai plutôt bien fait les choses. Je ne pense pas que on puisse faire quoi que ce soit d'autre par ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par là?
pas grand chose, on peut revenir en arrière. Ok, alors est-ce qu'il y a un pont? Il y a un pont qui va par là, qui retourne au début, je crois, de la zone. Je ne suis pas sûr. On va aller par là pour l'instant, je pense. Ah, c'est vrai qu'on peut descendre. Visiblement, il y a des empreinteurs aussi en bas. Eh bah, je suis tombé. Bon, tant pis, bah voilà, ok. Tant pis, on va refaire ce qu'il y a en bas. C'est pas grave. C'est pas ce que j'avais prévu, mais ok. Des empreinteurs. Là, il faudra de l'énergie. Hein, de. De l'écho bleu, voilà. La mécamouche. Attention, il y a un poisson en bas. Donc ça fait un peu peur. Ok, il y a des dégâts de l'écho bleu. Et visiblement, il y a un mécanisme juste ici qui peut être activé. Donc on va essayer. Non, ça ne marche pas pour le moment. Ah oui, c'est pour le truc là-bas. Ça va être chaud, hein. Une mécamouche. Mais c'est chaud parce que. Il y a de l'eau avec le poisson. Le fameux poisson. Il m'a mis cher d'ailleurs, ce fameux poisson. Alors, ce que je voudrais faire, c'est là. Tac. Alors, je vois rien. Super. Dedans. Ouais, je voyais rien. Parfait. Parfait. J'ai activé le mécanisme, donc j'ai récupéré plein d'orbes après que ça. Voilà. Bon. Alors, comme on a pu le voir, il y a un système là-bas pour voler, visiblement. On va voir ça. Mince. Ah bah, je suis mort. Super. Eh bien, je préfère que ce soit toi que moi. Ah, très bien, je suis remonté en haut. D'accord. Très bien, c'est pas grave. Bon, j'entendrai en bas plus tard. Là, pour l'instant, j'aimerais bien explorer le plus de la zone, récupérer plus d'items. Je suis tombé comme un con. Encore une fois. Pas très simple. Alors, le serpent, il me fait un peu peur, mais ça va. Hop, on saute. Non, la mécamouche. Parfait. De la régène. On peut plus préparer ce qu'il en faut 50 à chaque fois donc. Ok. Les ampoules comme ça. Très bien. Ouais, bah, j'ai fait une connerie. Ok. On bute un peu tous les ennemis. Vous savez bien qu'il y avait une lampe à casser là-haut. Ah, par contre, toujours pas de pile d'énergie pour le moment. Qui on s'approche du fameux temple, visiblement. J'ai failli tomber encore. Ok, des mécanismes. On va aller voir ça. Hop, le crapaud. Quand tu meurs. C'est une fabrication, je crois, de déco bleu. Et brisant le miroir qui dévie le faisceau précurseur. Ah, c'est ça, ok. D'accord. Bon, déjà, mécamouche. Ça fait 5 mécamouches. Ok, on peut monter tout en haut, visiblement. Non, on pourra pas monter parce qu'il faudra surtout de l'énergie. Il faut que tu recharges avec ce truc bleu pour ouvrir ça. Ouais. Justement, peut-être avec la fameuse orbe qu'il y a là-haut. Mais alors, comment on va là-haut? Je réfléchis. Ah bah, avec ça, non? Voilà. Très bien. Pas compliqué, en vrai. Hop, on casse ce truc. Ces espèces de tours dans la jungle doivent rediriger le faisceau écho. Allons les traficoter.
Alors ouais, alors j'ai fait ça, mais du coup je n'ai plus accès à l'écho bleu. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir aller là. Il y a peut-être de l'écho bleu caché quelque part. J'ai fait un peu le débile là en vrai, oui. Bon, on va continuer l'exploration, dans tous les cas. Ah, attendez. Le faisceau en le pointant vers la tour suivante. D'accord. Hey, on peut suivre le faisceau pour trouver la tour suivante. Ouais, alors attends, parce que du coup, le vaisseau suivant, il va où? Quoi? Le rayon, il va où? Par là-bas, ok. On va continuer l'exploration, je pense, mais on a combien? On a 21 minutes de l'épisode, quand même. Ouais, bon. Faut trouver la prochaine tour, quoi. Je suis pas dans la bonne direction, je pense. Il y a une tour, là. C'est pas elle la tour en question qu'on cherchait en fait. Allons à la tour suivante pour reconnecter le faisceau là-bas. Ok, alors. Juste. Par où par le vaisseau lumineux? Par là-bas. C'est pas simple là, c'est pas simple du tout. J'essaie de comprendre, tant bien que mal. On va faire attention à ce foutu poisson là qui, mine de rien, est assez dangereux. Là il y a un vaisseau. Ah non, je l'ai pas activé. Pardon, bah, ok. Là-bas, d'accord. Alors comment on y va? Via ce pont qui est juste ici visiblement. Ouh, j'ai failli tomber. J'essaie de comprendre, hein. C'est pas le truc le plus simple visiblement. J'ai oublié quelque chose. Bah je triche un peu, j'en ai rien à faire. Allez hop. Ok, j'ai récupéré de la vie. Et le mécanisme juste ici, très bien. Et j'active ce mécanisme qui va jusque là-bas. Mince. Grosse bêtise. Ah oui, c'était le pêcheur. Ok, c'est le pêcheur en bas. Ok. Alors, j'irai voir le pêcheur plus tard. J'ai pas le temps aujourd'hui. Enfin ça va, dans le prochain épisode je pense. Là je retourne vers la plage. Alors le mécanisme s'active en bas j'imagine, ouais. Très bien, donc ça c'est pour remettre l'énergie je pense du coup à notre village. Parole de mère, qu'on lui a rendu un service en connectant les faisceaux d'énergie du village. Exactement, on va retourner voir le maire pour qu'il nous donne sa pile d'énergie et on va s'arrêter là. On aura déjà un petit peu pas mal exploré, j'imagine, le jungle à jungle interdite. On aura fait la quête qui était demandée, c'est-à-dire remettre de l'énergie dans le village. Du coup, dans le prochain épisode, je devrais pouvoir continuer l'exploration de la plage, de mémoire. En vrai, on a plutôt bien avancé, je trouve. Alors, où est le maire? Alors, ça, c'est la question que je me pose toujours.
c'est où est le maire? Là. Où est le maire? Quelle vision merveilleuse! Oh, grand merci! Et tout le village va me remercier! Vous avez ramené l'énergie au village et assuré ma réélection! Et pour ça, mon garçon, voici une pile d'énergie! Ok! Bon, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu de Jack and Daxter. Dans le prochain épisode, nous, on s'occupera de peut-être aller réexplorer un peu la plage, voir s'il n'y a pas eu des petits changements, avec le, maintenant qu'on a mis de l'énergie. Et ensuite, on retournera dans la jungle interdite, je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire. Et puis voilà, notamment avec le pêcheur, il y a aussi un temple, vous avez pu le voir, où il nous faut de l'énergie, de l'écho bleu. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un like si ce n'est pas déjà fait aussi également. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, c'était Zoria. Allez, bye bye tout le monde.